Cela veut dire le qui ont l'autorité sur la terre. Ils sont nés dans différentes familles. Les familles qui ont grandi avec les sous-titres. Et les familles qui pratiquent la magie. Et les familles aussi qui grandissent avec la sorcellerie. Voilà, leur travail, c'est de laisser cet héritage à leurs enfants. Et en héritant ces choses à leurs enfants, ils sont en ténèbres. Ceux qui sont ténèbres, ceux qui ne connaissent pas les choses de la nuit. Mais Jésus est venu. Et ce qui est ténèbre. Qui parmi vous aura les yeux ouverts? C'est celui qui a crié au nom de Jésus. Et qui suivra Jésus. Ses yeux seront ouverts. Ses oreilles seront ouvertes. Et connaîtra les différents secrets du diable. Et la dernière parole, comme nous avons écouté la prédication, il a pris l'épée pour chasser le diable. Et que les oreilles soient ouvertes afin de connaître toute l'intelligence maléfique du diable ainsi que les esprits cosmiques. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui dans le monde. Beaucoup de nos enfants qui partent dans les universités pour réussir, dans les écoles, dans leurs études, on doit attirer pour aller adhérer auprès des enfants du prince des ténèbres. Pour que notre enfant ait le travail, il a fini les écoles pour ses hommes. Ils ont un groupe du prince des ténèbres qui dirige ce monde dans l'esprit cosmique pour lui, pour avoir le travail. Il doit adhérer dans notre secte. Voilà ce combat spirituel. Ce n'est pas avec l'épée que tu tiens, ni avec un bâton, ni plus avec une arme. Ils seront tués par la parole. Par la parole. Avec l'épée, avec la vérité, avec la foi, et que ta persévérance et ton assurance. Dieu te montrera et te vêtira de la puissance du Saint-Esprit. Ces signes sont installés auprès des gens qui sont dans les mondes. Ces signes, même beaucoup de chrétiens apportent ceux qui ne veulent pas prier. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature.